Monsieur Mourtard-Didouche, bonjour. Bonjour, Souhila. Alors, la saison estivale a commencé. Le secteur euh, du tourisme est un secteur à forte valeur ajoutée, créateur d'emplois et euh, de richesses, vu les fortes potentialités dans recel notre pays. L'État compte sur sa transformation pour en faire, bien sûr, euh, ou pour faire de l'Algérie une destination touristique euh, par excellence, une destination attractive et des plus visitées. Quelles sont les actions entreprises au niveau de votre département ministériel pour, bien sûr réussir ce défi, Monsieur euh, douche euh, Merci euh, de nous avoir invités d'abord, et je dois aussi euh, dire bonjour aux auditeurs et auditrices de, de la chaîne 3. Donc, euh, pour répondre un peu à votre question, euh, tout d'abord, il faut vous dire que, disons, euh, la politique, la politique de, de, de développement du secteur du tourisme trouve son ancrage, disons, dans le programme de Monsieur le Président de la République. Alors, ce programme consiste d'abord à répondre aux besoins et à la demande nationale, et aussi sans omettre et sans négliger aussi, le, disons, la demande, la demande extérieure. Donc, pour cela, euh, tenant compte effectivement des potentialités que recèle notre pays, nous sommes obligés effectivement de mettre en valeur toutes, toutes, ces, toutes ces potentialités et de les développer et de les, et de les promouvoir. Donc, je, euh, je parle en... en, en, en en tant que potentialité, nous avons un certain nombre de produits euh, qui sont effectivement le produit banéaire qui sont aussi le produit thermalisme, qui sont aussi le produit de, de, de tourisme montagne, et nous avons aussi un produit pour lequel nous n'avons pas en fait beaucoup de concurrents qui est le tourisme saharien. Donc ce sont tous ces produits-là qu'il va falloir mettre en valeur par un certain nombre d'actions d'accompagnement pour effectivement développer et faire en sorte que le tourisme devienne un secteur économique euh, à part entière. Alors un secteur économique. À part entière, la volonté politique œuvre pour que les choses changent, que la, cette situation, bien sûr, puisse s'améliorer davantage, mais le changement n'est toujours pas perceptible. Pourquoi Où réside aujourd'hui la résistance C'est dans la volonté ou dans les pratiques, euh, euh, monsieur euh, Murtabirus En fait, euh, disons. Euh la volonté existe, elle est affirmée à partir d'un schéma directeur que nous avons adopté et qui consiste à mettre en place un certain nombre de dynamiques. Donc ces dynamiques euh, se, se définissent d'abord par euh, euh, l'obligation euh, de promouvoir beaucoup plus l'image de la destination Algérie, d'encourager de, disons, euh, disons, euh, de, tout ce qui est investissement. Et aussi de mettre en place un plan de qualité, de qualité tourisme et aussi, euh, disons, d'impliquer les autres secteurs à nous accompagner pour que, effectivement, le tourisme trouve sa place en tant que secteur économique à part entière. Donc en clair, le tourisme, ce n'est pas l'affaire du secteur du tourisme exclusivement, c'est l'affaire de tous, monsieur. Effectivement, nous avons toujours parlé de la transversalité du secteur qui fait que, disons, tous les secteurs doivent nous accompagner, doivent s'impliquer aussi pour que le secteur réussisse à, disons, à, être, à être, disons, un, un, un secteur économique pour lequel il va falloir y compter et pourquoi pas être, disons, dans le futur une alternative aux hydrocarbures. Alors, quand on parle de l'attractivité du secteur, est-ce que ce secteur aujourd'hui suscite de l'intérêt à, à la fois des partenaires nationaux et étrangers, M. Euh, Didouche, pour des investissements potentiels qui feront, bien sûr, cette transformation pour que l'Algérie soit une destination euh, touristique par excellence, puisque les potentialités sont énormes dans tous les domaines, balnéaires, euh, le saharien, le tourisme de montagne, etc. M. Euh, Mortadidouche. Bien sûr, donc là, l'État les a, les a, a, a encouragé tout ce qui est politique investissements d'une manière générale. Donc, vous avez la nouvelle loi sur les investissements qui accorde un certain nombre de facilitations et en matière de tourisme, nous avons encore d'autres facilitations qui font que nous pouvons mettre à la disposition de tout investisseur potentiel qui peut réaliser des projets touristiques selon toutes les formes possibles, c'est-à-dire des hôtels, des complexes touristiques, des stations thermales, des stations de thalassothérapie. Et pour cela, nous avons un potentiel foncier qui peut être mis à la disposition et pour lequel, bon, si je peux rentrer dans le détail, nous nous avons euh, disons 249 Z qui peuvent être mises à la disposition des investisseurs et pour lequel nous avons euh, 70 Z dont les plans d'aménagement sont approuvés et qui peuvent prévoir plus de 1600 projets et qui peuvent engendrer plus de 160 à 180 000 lits et cela viendrait disons augmenter le parc hôtelier qui fait qu'effectivement le tourisme est en train de, 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 de s'impliquer et de s'affirmer Madame. Oui, mais est-ce que ces intentions d'investissement sont réelles ou sont virtuelles Ça se limite aux intentions et pas de réalisation Non, non, non. Elle trouve, elle trouve son application actuellement sur un, un certain nombre d'investissements pour lesquels nous sommes en train de, de réceptionner. À, à titre d'exemple, nous avons réceptionné récemment un projet. Euh, euh, de partenariat entre un investisseur algérien et un investisseur saoudien et qui se, et qui se caractérise par la réception récemment euh, par le ministre de l'Intérieur d'un projet euh, d'importance nationale euh, au niveau de, de Skikda, un projet qui a une capacité de 1600 lits et ça c'est très important comme, comme projet. Et en parallèle, nous avons encore d'autres projets qui sont en train d'être réalisés et pour lesquels nous avons prévu euh, une trentaine à réceptionner dans le cadre du. Dans, 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 dans le, dans, 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 dans le deuxième trimestre, effectivement. Des grands partenaires étrangers qui s'intéressent aussi à l'investissement dans le secteur. Monsieur Mortar euh, Didouche, est-ce que vous pouvez nous donner euh, d'autres exemples nous avons, Vous avez parlé des Saoudiens, mais est-ce qu'on peut parler, par exemple, des investissements futurs de grands pays qui ont, bien sûr, un savoir-faire dans le domaine et qui ont aussi les moyens d'investir dans le secteur Est-ce qu'on pourrait imaginer que les Qataris s'intéressent à notre euh, pays dans le domaine euh, touristique Les Américains s'intéresseraient à investir dans notre pays, euh, d'autres euh, nations également, des Américains euh, des Portugais, des Italiens également, monsieur euh, mortal Didouche, puisque nous avons un partenariat stratégique avec euh, l'Italie. Vous parlez maintenant d'un cas bien concret des, des Qataris. Euh, je, je peux vous dire qu'actuellement, nous sommes, nous sommes pour parler avec, avec un investisseur euh, Qatari du nom de Ritage, qui lui euh, s'est intéressé effectivement à, à réaliser un certain nombre de projets qui, qui, donc, qui se traduisent sous deux formes. Alors, la première, c'est en, en termes de partenariat de management. Et la deuxième forme, c'est d'un investissement tout à fait direct. Alors pour ce qui est de, disons, du management, euh, disons, nous avons euh, proposé et pour lesquels les, 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 nos amis des Qataris sont intéressés pour prendre pour prendre en management euh, quatre structures au niveau au niveau de niveau de niveau de, de de la côte. Euh, algériennes, notamment euh, deux de, de structures à, à Tipaza et une structure à Sidi Faraj et une au niveau de l'hôtel Safir euh, Alger. Et, et, et parallèlement, euh, nous leur avons proposé deux zones d'expansion touristique au niveau de Zeralda et Colonel Abbas pour réaliser un certain nombre de projets qui se traduisent par des, des, disons des complexes touristiques euh, haut de gamme. Vous êtes en négociation, alors c'est ou alors c'est ça y est, c'est réglé. Euh, ça va, ça va, disons euh, connaître, euh, connaître, disons une, une concrétisation dans les prochains jours. Nous sommes, nous sommes dans, dans, dans la phase dans la phase finale et pour lesquels bon, la partie Qatarie devait confirmer avec avec euh, leur conseil d'administration, j'imagine, et nous nous sommes prêts à les accompagner pour leur donner effectivement toute la toute la facilitation pour qu'ils prennent en charge effectivement ces, ces projets d'envergure. Hein. Alors vous avez parlé bien sûr du nombre de lits existants à, à, à travers le territoire national qui reste bien sûr en deux... De ça même s'il a augmenté relativement euh, de, de la demande est ce que vous avez aussi parallèlement une évaluation financière de ces investissements ou alors on n'a pas les indicateurs qui nous permettent d'évaluer de, de façon concrète à la fois le volume financier et les répercussions euh, sur l'emploi euh, vous savez, euh, donc pour ce qui est du parc hôtelier actuellement, euh, donc je, je peux vous faire un petit historique euh, quand on a commencé disons, à mettre en place la stratégie, euh, la stratégie du développement. Euh, on a fait un recensement sur disons, le, disons, le, le parc hôtelier. Il était à peine de 80 000 lits, dont à peine 10% étaient aux normes internationales. Donc cela veut dire que nous étions obligés de construire et de réaliser un nouveau parc. Euh, et qui se traduit actuellement avec, euh, qui se traduit à 146 milliers qui sont de standard international. Donc malgré cela, nous sommes disons, euh, dans l'insuffisance de répondre à la demande aussi bien nationale qu'internationale. Donc en matière en matière d'impact impact économique, euh, nous avons évalué disons, le prix, le prix d'un lit. Donc euh, qui est, qui est disons, estimé à entre 3 millions et 5 millions de dinars le prix fini d'un lit aux, aux normes internationales. Donc vous multipliez ce prix par rapport, à, à, par rapport au parc à, au parc, vous avez déjà une idée sur l'importance de ce de, de, de ce montant par rapport disons, à, 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 au, coût, au coût global de ces investissements. Alors... Euh, des facilitations aussi octroyées aujourd'hui pour accélérer l'investissement dans ce domaine, euh, conformément bien sûr aux directives du président de la République, puisque nous avons vu que nous avons déblayé tous les textes législatifs qui concernent aujourd'hui l'investissement. Il y a des facilitations au niveau de votre département ministériel. On, va dépo... on vient déposer une demande d'investissement, on a une réponse dans les 48 heures, dans les 72 heures, dans la semaine qui suit. Oui, absolument, absolument. plus le cas comme avant Non, pas du tout. Là, nous on avons... peut attendre des années sans que pour attendre des réponses. Pas du tout. là Je vous rassure que nous avons une, une commission qui réussit qui est une commission nationale d'approbation des plans d'hôteliers plans d'hôtelier, qui se réunit une fois, une fois toutes les semaines et qui, disons, étudie, euh, étudie en live les demandes, les demandes exprimées par n'importe quel investisseur qui, qui veut réaliser et d'autant plus qu'il a les moyens, notamment le terrain. Et, 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 la, et la finance, et la finance pour réaliser son projet. Alors votre priorité aujourd'hui, c'est bien sûr le tourisme domestique, Monsieur Mortar Didouche. Absolument, absolument. Disons euh, la priorité, en fait, c'est de répondre à la demande nationale, sans pour autant effectivement négliger, disons, la demande internationale, qui se traduit, disons, par la mise en valeur et la promotion de notre produit qui est le tourisme saharien. Mais répondre à la demande nationale. Comment répondre à la demande nationale quand on sait que euh, il y a aujourd'hui un déséquilibre entre l'offre et la demande par rapport au nombre de lits. Non, le, 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 150 disons, 000 lits. Oui, le, 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 disons. C'est pas le, important par rapport à la masse qui souhaiterait absolument. aussi Donc, venir là, passer les vacances ou passer les vacances au niveau du pays. Là, là disons, le, vous avez bien posé le problème qui, est en fait, disons, disons, le, disons, l'offre, le, disons, étant de ça, euh, étant de ça de la demande. Donc, nous sommes obligés effectivement d'augmenter. L'offre et il ne s'agit pas uniquement d'augmenter de, 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 de l'offre, mais aussi d'améliorer les prestations et d'améliorer tout ce qui est service d'accompagnement par rapport à ces structures d'accueil. Alors, améliorer euh, les prestations, là. le prix est-ce une contrainte aujourd'hui pour booster l'investissement euh, national Monsieur Mortar euh, dit oui, le prix là, je ne je sais pas si je peux vous expliquer, disons la loi de l'offre et de la demande. en fait, alors, euh, moins vous avez la possibilité de répondre à la demande, plus effectivement les prix ne sont pas, ne sont pas, ne sont pas étudiés. en conséquence, donc, à partir de là, euh, tant, que, tant, que, disons, euh, tant que la demande elle est, supérieure, elle est supérieure à l'offre. Donc, les prix, euh, les prix pratiqués ne tiennent pas compte, effectivement, de l'indisponibilité de, 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 de l'offre. De, 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 de en fait. Mais dans les faits, c'est une contrainte parce que les Algériens iront ailleurs pour passer des vacances Bien moins chères. Absolument. Donc là, on ne peut pas les empêcher. Ils sont en droit d'aller voir tout ce qui est mieux, tout ce qui est, tout ce qui est, disons, prix, prix intéressant. Mais là, nous œuvrons pour, effectivement, d'augmenter l'offre et, à partir de là, euh, appliquer la loi de l'offre et de la demande. Et laisser, et laisser la concurrence faire, faire son effet. Alors vous parlez de l'amélioration des prestations au profit des Algériens, les nationaux, également les étrangers qui viendraient éventuellement passer les vacances dans notre pays. Qu'est-ce que vous entendez par l'amélioration des prestations pour les nationaux dès qu'ils arrivent à l'hôtel et pour les, nos nationaux à l'étranger dès qu'ils atterrissent l'aéroport Là, c'est clair. Donc, là, nous sommes, euh, nous sommes disons, euh, obligés, disons, de, de, de former au maximum tout, euh, tout, tout le personnel qui vient gérer tous ces établissements, selon, disons, selon les exigences internationales qui fait que euh, chaque, chaque établissement doit avoir à son niveau euh, des professionnels. Voilà notre souci effectivement de chaque établissement qui ouvre et qui, qui rentre en exploitation doit euh, offrir des prestations. À la hauteur de la, demande, de la demande des clients. Mais ceux qui ne respecteraient pas cette règle, comment vous allez agir ici Donc là, nous avons des lois en fait. Hein, nous avons des lois qui, euh, qui font qu effectivement euh, chaque, chaque pratique commerciale qui ne répond pas à, à, à l'obligation euh, tomberait sous le coup de la loi qui va jusqu'à la fermeture de, de, de l'établissement. Vous allez l'appliquer, Monsieur Mokhtar Didouche, euh, puisque les lois existent depuis longtemps, on ne les a jamais mises en œuvre Bien sûr qu'on les applique, que nous les avons déjà appliquées pour des hôtels qui, 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 qui sont défaillants. Monsieur Mortal Didouche merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, 5 minutes seront également, consacrée aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Invité de la rédaction à tout de suite. Alors euh, monsieur Mortal Didouche par rapport à cette saison estivale dont le coup d'envoi a été donné euh, samedi dernier euh, à partir euh, de Skikda, est-ce qu'on peut considérer que toutes les dispositions ont été prises pour assurer une bonne saison estivale Effectivement, je peux vous rassurer que toutes les dispositions ont été prises, effectivement, pour pour recevoir et pour accueillir dans des bonnes conditions les, les estivants. Euh, D'autant plus que, euh, euh, disons que la commission nationale de, de la préparation de la saison estivale. Euh, qui est constitué, disons, de l'ensemble, de l'ensemble de des secteurs, notamment le, le, la sûreté, la protection civile, euh, la gendarmerie, les services, de, de, les services des travaux publics, les services de la santé, effectivement, qui ont pris toutes les mesures à l'effet de permettre effectivement un bon séjour à, à, à nos vacanciers oui. au niveau au niveau de l'ensemble des plages que compte la côte la côte algérienne. Alors l'accès aux plages est gratuit cette année Absolument. Il sera mis en œuvre, Monsieur euh, Mortal des Douches, puisque à... de, de par la loi. C'est gratuit, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Absolument. Donc, euh, disons, l'accès de par la loi est consacré et la gratuité de, de l'accès vers les plages est assuré notamment à partir de la loi qui permet effectivement à tout algérien d'accéder gratuitement au niveau au niveau des plages. Dans le cas où ce ne serait pas le cas, euh, dans par endroit comment vous allez agir si avons prévu Mortal dans le cadre de la préparation de la saison estivale des, des, des vigiles et des gens des gens qui effectivement qui s'inquiètent au niveau de chaque plage pour, pour que effectivement tous citoyens a droit à l'accès gratuitement au niveau au niveau des plages. Alors, ce qui est constaté aujourd'hui, euh, Monsieur Mortar, euh, des douches dans le domaine de l'investissement euh, touristique, c'est que l'État a bien sûr hérité d'un portefeuille très important à travers tout le territoire national par rapport bien sûr aux zones euh, touristiques, par rapport aussi à un patrimoine hôtelier qui est de plus important. Mais est-ce que aujourd'hui, il faut inverser cette tendance, l'État sa mission, c'est assurer, bien sûr, la régulation et l'investissement, c'est l'affaire des privés. Est-ce que l'État peut être à la fois régulateur et opérateur économique euh, Est-ce est qu'il qu n'y a pas une sorte de contradiction euh, Non, non, il n'y a pas de contradiction. En fait, de, de par la loi, euh, l'État n'investit plus dans le, dans le secteur du tourisme. Cependant, elle a un portefeuille, un ancien portefeuille qu'elle doit gérer, effectivement, qui se traduit... Par, disons le euh, par l'ensemble des structures que nous avons réalisées euh, à l'époque et qui sont gérées par le disons le, euh, le holding euh, HTT, donc ce, ce patrimoine là il se traduit par euh, un, un, un nombre de lits euh, qui est évalué à, à, disons, à plus de si je n'ai pas, disons, le chiffre exact à plus de. 30 000 lits en fait hein. donc là euh, ce, ce patrimoine est géré par le disons le holding euh, anciennement holding qui, qui est le, le HTT et en parallèle en parallèle euh, nous avons aussi euh, disons les investissements, les investissements privés qui sont disons euh, encouragés, encouragés par disons un certain nombre de mesures qui sont accordées par l'état pour les accompagner à l'effet effectivement de réaliser euh, des, projets, des projets touristiques Mais l'investissement dans le domaine touristique c'est l'affaire du privé ou c'est l'affaire de l'État puisque nous avons nous savons que vous avez hérité d'un portefeuille. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une vision pour aller vers peut-être euh, graduellement un partenariat public-privé dans le domaine euh, bien sûr de la cession de ce patrimoine au, privé, au profit du privé ou alors ça restera du domaine de l'État Non, nous avons deux, disons, deux, 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 deux manières de, de, de concevoir les choses. Nous avons un portefeuille de l'État qui est géré par le, 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 le holding, effectivement, et nous avons aussi, euh, disons, euh, la possibilité d'offrir à tout, à tout les investisseurs qui désirent, qui désirent effectivement réaliser des projets touristiques, des, un, un, un foncier. Pour lequel nous avons, disons, réalisé ce qu'on appelle des plans d'aménagement touristique qui peuvent être, disons, attribués à tout investisseur qui désire effectivement réaliser des projets touristiques. Mais ces aides sont disponibles actuellement, le foncier vous en disposez pour le mettre à la disposition du Absolument, privé? Absolument. Nous avons un foncier touristique qui est très très important, et, disons, et qui se, qui se traduit, disons, par la, la, la disponibilité, euh, disons, actuellement, euh, d'un certain nombre de zones d'expansion touristique, pour lesquelles nous avons déjà. Approuver les plans d'aménagement et qui peuvent être mis à la disposition des investisseurs désireux de réaliser des projets d'envergure. Pour ce qui concerne le bannière exclusivement ou alors dans tous les domaines dans Également dans le tourisme saharien, M. Mortal, même tout si ce n'est pas la saison actuelle. Non, non, dans tous les domaines, nous avons des zones d'expansion touristique qui, qui sont, disons, réparties un peu à travers le territoire national, aussi bien au niveau de la côte, aussi bien de l'arrière-pays en ce qui concerne les projets de, disons, de, euh, de thermalisme, effectivement, et nous avons aussi des, des D'expansion touristique pour lequel nous avons prévu effectivement des investissements au niveau de, au niveau de, de la partie euh, sud du pays. Euh, le, le, le tourisme de montagne est également privilégié, monsieur. Entre euh... autres, effectivement, nous avons, nous avons effectivement des, des zones d'expansion touristique pour lesquelles les plans d'aménagement sont approuvés et qui seront mis à la disposition de tout investisseur qui veut réaliser des projets, disons, de, 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 de cette, de cette, de cette spécificité, notamment le tourisme, le tourisme de montagne, le tourisme thermal et aussi nous avons le tourisme saharien et le tourisme courtier mais quand vous parlez de facilitation quel type de facilitation aujourd'hui sont octroyées aux investisseurs potentiels monsieur mortal Didouche. donc les facilitations vous avez d'abord euh, disons le euh, au niveau des banques. Qui peuvent, qui peuvent effectivement vous accompagner, qui peuvent vous accorder un certain nombre de facilitations. En un temps rapide? Euh, absolument. Et vous avez aussi la possibilité, disons, d'acheter de, de, des terrains, notamment au niveau du Sud, parce que nous avons une politique d'encouragement au niveau de l'investissement du Sud. Vous avez une, disons, une, une formule qui vous permet effectivement, euh, disons, euh, de, de payer, de payer à, à long terme, en fait. Alors vous avez également bien sûr monsieur euh, Mortal des Douches plusieurs aspects qui sont importants par rapport à la saison estivale, le transport aussi. Pour bien sûr l'acheminement de nos ressortissants qui sont à l'étranger et qui souhaiteraient rentrer en pays. Est-ce que vous avez travaillé en étroite collaboration avec le secteur des transports de telle sorte à assurer aussi des facilitations, aussi des disponibilités de, de sièges, que ce soit pour le maritime ou l'aérien, pour permettre à nos ressortissants de venir au pays. Puisque c'est une instruction également du président de la République qui a demandé à mettre en place tous les moyens pour leur permettre de venir passer les vacances au pays. Monsieur Morta oui. euh, dit 12 même sur le plan de la tarification. En effet, effectivement... Euh, Revoir la tarification. Absolument. Euh, des billets, et, et je peux vous dire que, que disons, elle, elle est appliquée, effectivement, et au niveau de... Moins de la... 50%. Absolument. C'est en application, effectivement, pour recevoir notre, notre diaspora euh, euh, qui est installée euh, au niveau de la... De deux ans de, de, à l'étranger. Pour, pour ce qui pour... concerne le maritime et l'aérien, le NTMV et Air Algérie. Absolument, absolument des tarifs préférentiels en direction, effectivement, de notre, de notre communauté à l'étranger pour leur permettre effectivement de venir euh, de venir passer leurs vacances et même aussi au niveau de nos, de nos structures étatiques, c'est-à-dire les structures d'accueil des hôtels, il y a des tarifications qui sont prévues en, en direction de cette, de cette communauté, effectivement. Alors, sur, euh, bien sûr, euh, plusieurs aspects de la législation qui concernent, bien sûr, euh, les hôtels et euh, l'hébergement, et également, euh, par exemple, les moyens également euh, d'hébergement qui pourraient être hors des structures hôtelières existantes actuellement. Actuellement, M. Mortabidouche, nous avons vu l'émergence depuis quelques années, par exemple, de euh, certaines formules existantes pour permettre à nos ressortissants, aux Algériens, aussi résidents en Algérie, euh, d'aller dans certaines localités bannières et passer des vacances. C'est euh, bien sûr la location, chez, euh, le gîte chez l'habitant. Euh, il s'avérerait, selon la question de l'auditeur, que cette formule a été supprimée par, bien sûr, le registre de commerce. Comment on peut-on l'expliquer Pourquoi cette suppression, elle est temporaire où elle est définitive. Non, je ne peux pas vous affirmer effectivement qu'elle est qu'elle est supprimée, mais en fait, elle va être régulée en fait. Donc nous sommes très qu'est-ce que vous entendez par réguler C'est-à-dire revoir un peu un peu, un peu la, la réglementation pour effectivement permettre permettre à ces citoyens de mettre à la disposition de tous les vacances leur logement. Alors qui dit mettre à la disposition son logement euh, à, à, à un autre citoyen, euh, disons oblige à, à ce qu'on lui offre le minimum effectivement le minimum de confort et à partir de là euh, encourager tous citoyens qui, qui, qui possèdent un logement au niveau, de, au niveau, surtout au niveau de la partie euh, côtière, de, côtière de, notre, de notre territoire, disons, euh, d'offrir le maximum de, de, de confort et aussi ne pas, ne pas disons, le, le, le contraindre avec, disons, des, des, avec des, disons, des obligations financières, effectivement. Donc là, tout, tout, tout cet aspect-là est en train d'être réfléchi avec le ministère de l'Intérieur pour trouver une formule effectivement pour répondre à la demande effectivement des gens qui veulent euh, recourir à ce, à, ce, à ce type de à ce type de disons d'hébergement et aussi euh, disons euh, permettre à tout citoyen de mettre à la disposition euh, d'un autre citoyen de son logement pour passer des vacances dans les normes et dans le confort voulu en fait donc en, en clair il n'est pas question d'interdire pas de du tout au contraire c'est de les encourager avec une, une nouvelle loi disons euh, qui qui soit disons le consensus de aussi bien de la demande que de celui qui offre en fait. alors vous avez cette autre Question de l'auditeur, puisqu'aujourd'hui vous dites nous avons une vision sur tout le territoire na national pour euh, encourager toutes les formules existantes. Nous avons de fortes potentialités euh, et nous avons un, un territoire immense. À il y a euh, deux zones euh, d'expansion touristique, euh, Machtar euh, mach et euh, Warka. -war euh, et cela fait plus de 20 ans, il n'y a pas d'investissement dans euh, ces deux euh, Z. -ce, comment vous l'expliquez aujourd'hui Il n'y a pas d'engouement ou alors on ne présente pas le portefeuille existant euh, à travers tout le territoire national, Monsieur euh, Mortar euh, Didouche. Je peux vous affirmer le contraire parce qu'en fait, euh, je reviens d'une visite il y a à peine, il y a à peine trois semaines de la wilaya de, de, de Nama, où effectivement, j'ai je, 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 constaté et avec le wali effectivement, et nous avons euh, conjointement, euh, disons, euh, euh, encouragé. Et aussi euh, octroyer un crédit pour mettre, disons, euh, à la disposition de tout investisseur au niveau de la Z de Enwarka de qui, qui, qui va recevoir euh, plus de de plus de, plus d'une centaine de projets touristiques et qui va faire en sorte que nous allons créer plus de 1600 postes de travail qui vont, tout, qui vont tous, disons, être au service de la promotion du tourisme à travers la. À travers la, disons, la euh, la source thermale de Ainoualqa, où effectivement euh, nous allons promouvoir le tourisme thermal. Euh, alors, mais je voudrais revenir avec vous sur une question que j'ai déjà posée par le passé, Monsieur Mortal Didouche. Est-ce que l'État va continuer également à gérer les stations thermales existantes à travers le territoire? Est-ce qu'il y a une, une, une vision de, à l'avenir de les céder au profit euh, des privés? Euh, pour l'instant, nous en fait, en fait dans le dans le patrimoine de l'État, nous n'avons pas beaucoup de stations thermales en fait. Hein. Donc, là, à même les effectivement. Bon, ce sont disons des disons des structures qui, qui relèvent effectivement du patrimoine de, de, de l'HTT en fait. Hein, donc de, de de holding HTT effectivement. Donc c'est ça reste dans son portefeuille de de, de gestion. Mais en parallèle, nous nous avons des des des, 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 des projets d'investissement et qui sont versés dans le domaine de dans le domaine du de, de thermalisme et pour lesquels effectivement nous avons aussi prévu dans le cadre de disons de l'aménagement des zones d'expansion touristique un certain nombre de projets qui vont dans, dans, dans cette spécificité en matière de thermalisme euh, des partenariats avec des étrangers également dans ce domaine-là ah, pourraient f... être envisagés ah, effectivement c'est déjà prévu dans le cadre de, dans du forum que nous allons organiser prochainement à Cetif et qui sera consacré uniquement ou, disons, particulièrement à, à, à l'investissement en, en matière de thermalisme et pour laquelle nous avons déjà prévu de mettre, disons, à la disposition de tout investisseur potentiel un certain nombre de sites qui prévoient effectivement la réalisation de, de projets en, en matière de thermalisme. Alors, le tourisme, c'est des métiers, plusieurs métiers aujourd'hui. Est-ce que la formation doit s'adapter également à cet objectif de faire de l'Algérie une destination touristique par excellence, monsieur Mortardidouche une des évidence. hôteliers, des agenciers, c est... C est... des guides touristiques, c'est plusieurs métiers. C'est une évidence même, hein. donc le tourisme ne peut pas fonctionner tout seul. On, 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 Et avec, avec le ministère seul aussi Absolument. Donc nous avons, nous avons des partenaires qui sont le, la formation professionnelle. Nous avons aussi des écoles des écoles au niveau de, de, de notre secteur qui forment, active, qui forment effectivement tout ce qui est personnel d'accompagnement, tout ce qui est personnel de prestation, de tout ce qui est structure de structure des touristiques, qui fait que en fait chaque chaque établissement qui sera ouvert sera doté d'un certain nombre de personnels qui vont lui permettre effectivement d'offrir des prestations de qualité. Mais certains métiers ont totalement disparu. Par exemple, les guides touristiques, Monsieur euh, Mortal Didouche, est-ce qu'il faudrait reprendre également cette activité, puisque nous avons vu que par endroit, par moment, nous recevons des touristes étrangers qui ont besoin d'être guidés et euh, d'avoir, par exemple, des explications sur certains sites. En effet. Touristiques. En effet, donc euh, nous avons, disons, un déficit en matière de guides, effectivement. Cela ne veut pas dire que nous ne nous formons pas, mais simplement, disons, l'engouement, l'engouement, disons, n'est pas très, 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 disons, affirmé, mais euh, Effectivement, nous sommes en train, disons, de, de revoir une formule, effectivement, pour encourager encourager, et pour former aussi des guides, aussi bien nationaux que régionaux, pour permettre, effectivement, de donner un plus à tout ce qui est activité et activité touristique. Le patrimoine national, puisque vous parlez euh, de tourisme, vous dites que c'est l'affaire de tous, tous les secteurs, le patrimoine culturel peut être aussi une, une source d'intérêt pour les touristes étrangers, M. Euh, des didouche puisque nous avons vu que nous avons un patrimoine euh, culturel des plus importants au niveau de la région que ce soit euh, patrimoine euh, romain ou euh, antérieur également. Euh, Est-ce que vous travaillez aussi en étroite collaboration avec le secteur de la culture pour promouvoir ces sites touristiques et, et qui, par ma, moments, malheureusement, il faut dire certaines vérités, sont délaissés euh, c'est pour vous dire que là, c'est une évidence même, en fait. Hein. Donc, là, pour effectivement promouvoir le tourisme, il faut, il faut bien sûr. Euh, Sur Ghalas, faire... par exemple, vous avez certains sites qui les là, plus importants. Exact. Maintenant, c'est pour vous dire que pour promouvoir le tourisme, il faut se faire accompagner par tous les, tout, 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 tout les autres secteurs. Donc, c'est pour vous dire que euh, le secteur du tourisme, c'est une activité, euh, disons, euh, transversale. Donc, on ne, peut, on ne peut pas réussir seul si nous ne faisons pas accompagner par les autres secteurs. Pour Donc, faire connaître vous... la destination Algérie. Voilà, avec vous... toutes ses potentialités. Voilà, vous parlez lié de culture, il n'y a pas uniquement que les cultures, nous avons aussi les autres secteurs qui peuvent nous accompagner pour réussir effectivement notre politique en matière, en matière de tourisme. Euh, on peut parler aussi de, de l'hydraulique. Si vous avez des hôtels qui sont pas alimentés en eau, donc là, ça veut dire que vous êtes défaillant quelque part. Euh, vous avez aussi le secteur de, de disons, de, vous avez aussi le secteur des transports, donc là, pour faire accompagner les gens, pour les transporter, etc. Donc là, c'est le secteur du tourisme est un secteur transversal euh, tout, à fait, euh, tout à fait évident. Et ces questions sont discutées au sein du gouvernement pour apporter bien sûr euh, tous les moyens nécessaires à ce secteur pour le promouvoir, parce qu'on sait qu'il est pourvoyeur de richesses et il peut être une véritable richesse hors hydrocarbures. Alors non seulement il est discuté, mais il est institutionnalisé par disons, la, la mise en place ou disons par l'existence la, la, de le Conseil national du tourisme. Les directives du président de la République sont claires dans ce domaine-là. Il faut le promouvoir à tout prix plus que clair parce qu'il constitue le secteur du tourisme une des priorités pour effectivement répondre et disons, euh, pourquoi pas, disons, se substituer à, aux hydrocarbures dans le futur. Et certains pays, bien sûr, leur PIB est porté euh, par euh, le secteur du tourisme. Et vous avez l'exemple édifiant de la Tunisie, qui n'a pas la taille de l'Algérie, ni les capacités de l'Algérie, qui arrive quand même à engranger ou à capter l'équivalent de 3 millions de touristes algériens annuellement. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, beaucoup de bons hôtels étatiques existent actuellement, hein, bien sûr, qui font euh, partie euh, du portefeuille de euh, la, la SGTP. Voilà, euh, le holding euh, tourisme nécessite aujourd'hui de la réflexion, de la réhabilitation. Est-ce que cette question est envisagée également, euh, monsieur Mortar-Didouche, puisqu'on sait que par le passé, on a beaucoup dépensé pour la réhabilitation de certains hôtels appartenant au patrimoine de l'État, mais aujourd'hui, ils sont dans un état de dégradation un peu avancé euh, je peux vous dire le contraire, en fait. Hein. Nous avons euh, entamé une opération de réhabilitation et de modernisation de tout le patrimoine euh, hôtelier de, de, qui, qui appartenait à l'État. Et Alors, vous, il vous donne l'hôtel, par exemple, Exchelia de Betna, Bougaroun de Kala. Euh, vous avez, par exemple, je peux citer l'hôtel El Jazeir également, monsieur euh, Mokhtar Didouche. Oui. qui nécessite de la réflexion aujourd'hui, de la rénovation. Oui, euh, notre, notre portefeuille, notre portefeuille en, matière de, en matière de structure ayant appartenu à l'État est, disons, à 90% rénové. Donc là, donc les exemples que, que vous venez de citer, effectivement, sont, disons, des exemples qui, 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 qui vont être pris en charge et qui sont déjà entamés en matière de rénovation et de modernisation. Alors, euh, autre question de l'auditeur qui vous dit également, Monsieur euh, Mortal Didouche, que le tourisme aussi il faut impliquer la diplomatie qui doit jouer un rôle à l'international pour promouvoir le tourisme en Algérie. En effet, en effet tout, 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 tout ce qui vient en plus pour promouvoir le, le secteur du tourisme serait le bienvenu. Le visa et... pour les touristes oui. pourrait être allégé. On a vu l'action qui a été engagée l'année dernière est... par le ministre actuel de l'Intérieur et qui a donné des résultats probants, notamment pour les fêtes de fin d'année. Absolument. Et là, je peux vous On dire. pourrait reconduire la même opération. Euh, nous, visa nous à la frontière nous sommes, nous, nous sommes en train de travailler dessus. Et là, je peux aussi vous rappeler que, disons, sur instruction de M. le Président de la République, nous avons mis en place. Euh, euh, récemment euh, disons le visa le visa à l'entrée euh, pour ce qui est, de, de ce qui est des, des visites euh, au, niveau, au niveau du Sud et qui a, donné, qui a donné des résultats extraordinaires et que nous allons effectivement euh, renouveler et généraliser. Alors, euh, renouveler et généraliser, vous avez aussi parfois des youtubeurs, et on l'a vu pendant certaines manifestations qu'a abrité l'Algérie, que ce soit euh, les jeux euh, arabes en Oran ou d'autres localités ou d'autres manifestations ou des touristes euh, tout court, euh, étrangers, euh, notamment arabes, qui ont fait euh, ou euh, et, euh, occidentaux de la promotion de l'Algérie sur le plan touristique, des vidéos exceptionnelles. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, solliciter euh, à l'avenir ces personnalités ou ces personnes pour promouvoir également le tourisme en Algérie C'est important parce que le tourisme, c'est de la promotion également. On a besoin d'être vu et connu à l'étranger. Oui, là, on nous connaît comme étant un pays fermé, euh, nerveux, là, avec une population nerveuse, or que ce n'est pas le cas. Euh, plus maintenant, là, je peux vous rassurer, mais là, on peut effectivement faire appel à ces, à ces, à ces gens-là qui œuvrent qui, qui et qui font de la... Publicité sur l'image de l'Algérie. Cependant, là, il faut prendre ses précautions parce que si nous n'avons pas les possibilités d'accueillir tout, tout, tout ce beau monde-là qui débarque chez nous, donc là, il faut aller d'une manière un peu crescendo. Et une fois qu'on a les possi la possibilité d'accueillir tout ce beau monde-là, là, on mettra la machine en marche pour effectivement recevoir le maximum de touristes. Donc, il faut accélérer la cadence pour les recevoir dans nos pays. Ça nous fera plaisir de les voir et ça nous fera plaisir aussi de découvrir que l'Algérie est aimée euh, par tous. Alors, euh, vous avez cette autre question qui vous dit que les l'écotourisme appelé aussi euh, tourisme vert est l'une des formes du tourisme durable euh, plus centré sur la découverte de la nature voire euh, d'écologie urbaine et également orienté vers les cultures et les patrimoines à conserver c'est important de, 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 de le promouvoir puisque nous avons vu que nous avons par endroits des sites magnifiques qui sont encore restés à l'état naturel monsieur Mortal des oui, là c'est une évidence même là nous encourageons l'écotourisme nous encourageons tout ce qui est forme écoute, ce qui est d'écotourisme et tout qui est participation, participation du tourisme dans la, disons, dans, la, dans la vie active de, 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 du citoyen. Alors, on a vu ces derniers temps aussi l'engouement des étrangers pour la CASBA. Il n'est plus approuvé. Il faut la promouvoir encore davantage. Monsieur euh, Didouche. Oui, là, c'est une obligation même. Tout ce qui est site touristique, tout ce qui est site patrimonial, il faut effectivement le mettre en valeur et faire en sorte qu'effectivement que ça devienne, disons, une, 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 une curiosité, une, des sites à visiter, à visiter par l'Ontario l'ensemble des touristes. Alors, euh, vous avez déclaré que nous avons l'équivalent de 360 Z, c'est-à-dire zones euh, d'expansion touristique, et uniquement 76 Z qui ont euh, des euh, plans, euh, c'est-à-dire d'aménagement touristique. Est-ce qu'il faudrait euh, développer euh, ce niveau, puisque vous avez dans certaines localités, comme la région d'Esfoun et Tixirt, ils sont classés même comme des terrains euh, privés en zone expansion touristique C'est la question de l'auditeur hein, mm -hmm. qui demande des clarifications sur vos propos que vous avez tenus antérieurement. Je pas tenu ces propos en fait là. Depuis quand j'ai tenu ces propos là Donc il doit y avoir une sorte de confusion. Ce n'est pas le cas du tout, monsieur Non, pas du tout, pas du tout. Pas Alors, du autre tout. question, bien sûr, de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, euh, la, promouvoir la destination Algérie, c'est promouvoir aussi les aspects culturels euh, et à la fois culinaires de l'Algérie c'est important absolument, également absolument donc ça fait donc quand on va dans un pays on veut découvrir aussi sa cuisine absolument il n'y a pas que la cuisine en fait nous a, vous avez aussi euh, la possibilité de découvrir disons tout ce qui est site euh, site euh, extraordinaire nous avons le sud et la disons la disons le euh, un, 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 un paysage unique au monde euh, vous avez aussi la possibilité de découvrir tout ce qui est vestiges 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 romains vous avez aussi la possibilité de découvrir notamment, euh, disons, le, la, la culture la culture vestimentaire. Nous avons un tas de curiosités à proposer à tout ce qui est touriste, en fait. Hein. Et pas uniquement la cuisine. Hein. Nous avons un certain nombre, disons, euh, disons de, de, de curiosités qui peuvent effectivement euh, faire en sorte que euh, ça va être notre produit notre produit, disons, de, 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 de promotion pour attirer le maximum de touristes. Alors, dernière question, bien sûr, avec la numérisation aujourd'hui, en faire beaucoup de choses, Monsieur Mortar euh, des douches, pour faire connaître la destination Algérie, parce que vous avez ce cet auditeur qui vous dit euh, il y a l'inexistence de prospectus touristiques par région. Le prospectus, c'est ça y est, c'est ça relève de notre siècle. C'est hein. dépassé en fait. Voilà, c'est dépassé. Donc la avons... numérisation, il y a les vidéos. Absolument, nous avons il y a TikTok. Les... Voilà le système de numérisation, le système de, de contact des, des réseaux sociaux effectivement, qui vous font de la publicité aussi bien négative que positive. Non, non, non. Plus vous offrez une image, il faut faire attention à la absolument. publicité négative. Alors, plus, préjudiciable voilà, pour le secteur. Voilà, plus vous faites euh, améliorer et vous, plus vous améliorez la qualité de votre, de votre prestation touristique, plus vous avez des clients et plus vous avez des satisfactions et plus vous avez, disons, des, des, disons, des annotations, des connotations positives euh, par rapport aux réseaux sociaux. Et tout le monde dispose aujourd'hui des smartphones, ah, tout le monde peut tout absolument. filmer et ah, peut euh, tout faire voir et ça pourrait porter préjudice au secteur. Monsieur comme Mortal... Ça pourrait aussi porter un, un bénéfice bénéfique pour, pour, pour l'État aussi. Monsieur Mortal Didouche, merci d'avoir d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon courage et à bientôt. Merci beaucoup. Merci pour vous. cette première interview.